Jessica Alba fait la couverture de Self Magazine et en la voyant, on a de la peine à croire qu'elle a pu avoir des problèmes de poids. Mais Jessica n'a pas toujours été la cofondatrice de l'Honest Company qui vaut 1,7 milliard de dollars et n'a pas toujours été filiforme non plus. Elle dit à Self Magazine qu'elle avait de l'asthme, qu'elle faisait partie d'une équipe de natation et qu'elle était lente et toujours dernière avec au moins 2 tours de retard. Elle pleurait et avait de la peine à reprendre son souffle. Jessica était déterminée cependant et a appris une bonne leçon. Elle dit au magazine « Ma mère et mon père m'ont dit « Tu as commencé ça, tu vas le terminer ». Mes parents m'ont poussé à me tenir à ce que je faisais, à me reprendre. C'est pénible mais j'apprécie une éducation ferme ». Maintenant, Jessica a du succès à la fois en tant que femme d'affaires et actrice et il est clair qu'elle sait comment rester à flot.